recule, imbécile. J'ai le bon. Ah oui. Sharpie, j'adore ce que tu as fait de cet endroit. Pour vous, c'est directeur Sharp. Bowles. Hé, hey, Frankie, comment va la petite famille? Est-ce que je vous ai manqué? La ferme, le clown! J'ai ici beaucoup de gens qui veulent vous parler. Vraiment, ça me dérange pas de marcher. Pas si serré, voyons! Attention à mon costard! Débarrassez-moi de ce dégénéré! Directeur, quelque chose cloche. Je vais le suivre. Le commissaire Gordon est là? Oui, monsieur, il vous attend en bas, au transfert des patients. Il vient juste d'arriver. Sharpie aime ses caméras. Hé, hey, Sharpie, tu filmes mon bon profil. Mais ils sont tous les deux bons, hein? Je veux qu'ils soient solidement enfermés derrière les verrous cette fois. Une autre évasion et je ferme... Regarde toute cette nouvelle sécurité. Comment un gars pourrait-il s'échapper de là? J'espère que c'est bon, c'est énorme. Nouveau patient à l'accueil des soins intensifs. Le personnel non concerné doit quitter la zone. Ça fait toujours du bien de retourner dans ma petite... Tunnel plein. Analyse. Préparation du scan. Vous savez quoi? Je préférerais ce bon vieil examen des orifices corporels. Alerte rouge. Il y a plusieurs objets interdits. Je veux qu'on refouille le Joker. C'est pas le patient, c'est... Oh, qu'est-ce que tu as là, Batman? Allez, dis-moi, Batarang, Batgriffe, Batpouf. Le Joker est OK. Ouvrez la porte. Faites-le sortir de là. Je veux qu'il soit en permanence en jour. Gardez-le constamment à l'œil. On aura assez de temps pour toi plus tard, Yash. En parlant de temps... C'est un crocodile que j'entends. What the fuck? Programmez-moi un rendez-vous à 16h. On a beaucoup de retard à rattraper. Restez derrière. Ok, R.A.S. Je déteste ce... Bonjour, cher patient. Ici Quincy Sharp. Directeur de l'asile d'Arkham. C'est mon émission préférée. Je suis un directeur idiot. Vous êtes une superbe institution. Peu de gens imaginaient qu'elle deviendrait le premier centre d'évaluation et de réhabilitation pour criminels pathologiques. Sur cette petite île de la baie de Gotham. Joker. Vous savez pour planquer, patron. Joker. La ferme. Yo, à plus, patron. La ferme. Allez, on joue. L'état des installations électriques de ces établissements fédéraux est consternant. Mes hommes auraient pu être blessés dans cet incendie. Je n'ai qu'à aller voir votre prisonnier, officier Bowles. Je m'en fous, mais dépêchez-vous! On suit la procédure. Le patient semble être dans un état satisfaisant. Il semble avoir subi de légères lacérations, probablement durant les deux dernières heures. On dirait qu'il y a... Oh! Ah! Besoin de prendre ma température, je serais ravi de baisser mon pantalon. Il est tout à vous. Sortez-le de là. C'est bon, ouvre la porte. Alerte aux soins intensifs. Patient de catégorie 9 en transit. Système de planification activé. Permission de tirer pour tuer avancée. Vous avez entendu la dame? Un autre dingue est en route.
Vous sentez cette excitation dans l'air? Non? Ça devait être l'un des gardes, alors. Croque, mon vieux! C'est toi! Préparez-vous. Il faut le tenir en joue constamment. Que fait-il? Je connais ton odeur, Batman. Je te traquerai. Mettez cet animal sur vos pieds. Sortez-moi ça de là. Un collier bidon ne m'empêchera pas de te tuer, Batman. Je te déchiqueterai. Je te mangerai les os. Ça me fait penser. Il me faut vraiment de nouvelles chaussures. Bon, c'est parti! Tenez bon! Comment ils ont pu laisser Batman passer la sécurité? Super nuit! Pour une fête! Pas là où tu vas. On a le temps, Batou! J'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Au fait, tu ne trouves pas étrange que l'incendie de Blackgate ait entraîné le transfert d'une centaine de mes hommes jusqu'ici? Je croyais t'avoir dit de rester tranquille. Oh, Frankie, faudrait vraiment apprendre à la fermer. Ça peut attirer des ennuis. Dis-moi un peu, je ne t'ai jamais coincé si facilement. Qu'est-ce que tu cherches, en fait? Oh, pas grand-chose. La mort horrible d'une centaine d'âmes. Toutes ces vies insignifiantes trouveront une fin terrible. Grâce à toi et à des allumettes. C'était ce que tu voulais entendre? Tous les patients devraient éviter tout contact avec les détenus de la prison de Blackgate. Leur présence... Ah, qu'est-ce qu'il fait? On ne bouge pas. Il faut une torche! Il faut l'éclairer! Vengeance de notre institution est temporaire. Quoi? Tu ne crois pas? Non, tu ne crois pas! Les Blackgate doivent être considérés comme dangereux et vous ne devez pas vous en approcher. L'invité est là. Code Alpha Rouge aux étages intérieurs des soins intensifs. Tu es revenu. Tu as tué 3 de mes gars quand tu t'es échappé. 3, c'est tout? Je ferai bien mieux la prochaine fois. On parie une centaine? Dure nuit, Jim. Ah, le Joker a osé envahir la mairie et il retient le maire en otage, me laissant la tâche de gérer les équipes de choc, les médias et vous. Ouais, c'est une sacrée nuit. J'espère que ce sera la dernière avec lui. Ouais, c'est ça. On ne passe pas! Désolé, Batman, réservé au personnel d'Arkham. Je vous assure, s'il y a bien quelqu'un de qualifié... Écoutez, j'apprécie cette aide, mais il déstabiliserait les patients violents. Je crois bien qu'il parle de toi, Batou. Ne fais pas ton timide, tu es toujours le bienvenu ici. Ah, ça fait du bien d'être de retour. Je t'ai manqué. Est-ce que ça va? Il s'est rendu presque sans combattre. Je n'aime pas ça. Au moins, il a retrouvé sa place. Debout! Allez! Le Joker est libre. Alertez le directeur. Dépêchez! On est en train de le perdre, Nick! Chacun son tour. Chérie, je suis rentré. Entre, mon ange. Bienvenue à la maison de fou, Batman. J'ai tendu un piège et tu es tombé dedans comme une fleur. Et maintenant que la fête commence.
Mesdames et mesdames, désolé pour cette interruption de votre programme. Il y a encore quelques secondes, j'allais tuer tous les gens de cette pièce avant de regarder la télé. Vous savez que mes chèvres attendent. Ce n'est que l'échauffement, maintenant. Tout juste sorti de la prison de Blackgate, avec une peine totale de 752 ans. Ding, ding, ding! C'est le round 2! Désolé, Baton, je dois filer. J'ai des endroits à visiter des gens à tout. Il faut que tu me frappes. Je trouverai une solution. Gordon, essayez de contacter le directeur. Dites-lui ce qui est arrivé. Je reviendrai. Ne fais aucune promesse en l'air, Patounet. C'est moi qui dirige l'asile. Tu iras là où je veux que tu ailles. C'est compris. Si tu crois que je vais te laisser filer... Bla bla bla! Le bla bla du héros. J'en ai marre de regarder ça. Pourquoi ne pas venir me chercher? C'est un piège, bien sûr. Bien sûr que c'en est un. Le Joker a été actif. Ces pauvres gardes n'avaient aucune chance. Tous les patients doivent prendre leurs médicaments chaque jour aux heures prescrites. Les dons... Attention, brèche de sécurité au niveau B3. Attention, brèche de sécurité au niveau B2. Attention, brèche de sécurité au niveau B8. Attention, brèche de sécurité au niveau B1. Attention, brèche de sécurité au niveau B. Faites buter, Batman! Attention, brèche de sécurité au niveau B4. Attention, brèche de sécurité au niveau B3. Hé, hey, Batman! Par ici! Brèche de sécurité au niveau B. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Joker. Vous avez eu de la chance. Il a dû partir par là. La porte est bloquée. Je vais essayer de l'ouvrir. Besoin d'aide au service pacification. Je répète, besoin de renfort au service pacification. Quelqu'un m'entend? Vous m'entendez? Je suis avec Batman. Allô? Où sont-ils? Vous avez besoin d'aide? Non. Je travaille mieux seul. Zaz est libre! Oh bon sang! Il a Mike! Ah Franklin, tu m'entends? Si oui, les renforts sont en route. Thank you.
Oracle, vous m'entendez ? 5 sur 5, quoi de neuf ? Le Joker s'est échappé. Il est en liberté dans Arkham. Besoin de quelque chose ? Mon père est toujours là ? Le commissaire Gordon est sauf. Le Joker n'est pas très loin. Je resterai en contact. C'est Zaz. Il a Mike. Il est attaché à la chaise. Zaz a complètement perdu la boule. Attendez-là. Impossible. Il tuera Mike s'il voit quelqu'un s'approcher. Il ne me verra pas. Si je vois quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une chauve-souris, un garde-meur. Vous m'entendez ? Faites souffrir Zaz comme il le mérite. S'il vous plaît, vous devez le sauver. Tu ne t'en sortiras pas! Relâche-le! C'est scandaleux. Comment un patient comme Victor a-t-il pu s'enfuir? On s'occupera de ça plus tard, docteur. Il veut tuer le garde. Vous savez, il doit tuer le garde. Zaz a pris mon ami. Il va le liquider. Aidez-le. Pitié. Faites diversion. Je dois me placer derrière lui. Je dois m'approcher suffisamment de Zaz pour attaquer. Il me verra venir au sol. Je resterai dans les airs. Ces vieilles gargouilles doivent pouvoir supporter mon poids si je grimpe jusqu'à elles. Zaz est à terre, mais pas pour longtemps. Je dois m'approcher. On ramène cet animal dans sa cellule. Est-ce qu'on m'entend ? Ce truc fonctionne ? Oh, salut Batman, ici c'est Harley Quinn. Est-ce que tu aimes mon nouvel uniforme ? Sexy, pas vrai ? Oh, et j'ai quelque chose à te montrer. Une seconde, Batman. C'est moi qui remplace le vieux, maintenant. Le vieux Sharpie est vraiment très content. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, aujourd'hui, le Joker prépare une grande fête et tu es l'invité d'honneur. Tu as une chance de te rendre, Queen. T'entends, Batman, mais pas question. Les prisonniers dirigent l'asile, maintenant. En fait, il s'agit des sbires du Joker venus de Blackgate. Enfin, tu vois le genre, hein. Allez, salut. Batman, vous m'entendez ? Oracle, je suis là. L'asile d'Arkham vient de disparaître du réseau. Il contrôle le système de sécurité. Il l'a probablement isolé de la grille. Et ce n'est pas tout. D'après les rapports de police, il a placé des bombes partout dans Gotham. Il dit qu'il les déclenchera si quelqu'un se rend sur l'île d'Arkham. Pour l'instant, c'est top secret. Mais l'affaire peut éclater au grand jour à tout moment. Il ment. Ce n'est qu'une diversion pour tenir les gens éloignés. Comment le savez-vous ? Je le connais. Zaz vous la salle est verrouillée. Je ne peux pas ouvrir la porte. On est coincé là-dedans. Essaye la radio. La salle de commande devrait pouvoir fermer la porte. Harley croit m'avoir piégé dans cette chambre. Elle n'a jamais été très intelligente.